Le moment qui allait pouvoir nous permettre de changer de vie était enfin arrivé. On allait sûrement être couronné roi d'ici la fin de la soirée. En tout cas, on avait la classe. Vous en dites quoi ? Enfin, la plupart d'entre nous. Waouh ! C'est ce que j'ai dit. C'est stylé ! Messieurs, dames, le bal commence dans 10 minutes. Il est temps de chauffer la salle. Il n'y a que nous. Oui, ouais. J'ai vu ça. Ouais. Une heure plus tard, la salle était comble et la soirée battait son plein. Tout semblait jouer en ma faveur. Et pour Simon, c'était bientôt le grand moment. Plus que 20 minutes. Merci. Tu parles à qui dans ce micro ? Personne. C'est juste un moyen efficace de rappeler aux gens qui a tout organisé. Tournez le projecteur d'un millimètre. Évidemment, le rose. Tu vas chanter ? Ouais, je l'ai écrite il y a un an pour Carly, mais j'ai jamais eu le cran de la lui chanter. C'est l'occasion. Le groupe fera une pause à 8h40. Il y aura 2 minutes d'interruption dans la playlist préenregistrée avant que la musique reprenne. Ce sera à toi de jouer. Ça roule. Ça suffira. Je te remercie, oui. De rien. C'est ça, les potes. Veuillez regarnir le buffet en saucisses. Ça arrive tout de suite. C'est moi, le chef. Et comme l'avait espéré Jay, son ex-petite copine de 13 ans sauta sur l'occasion d'assister à un bal de lycée. Ah ouais ? Et Brie ! Mais ce à quoi il n'avait pas réfléchi, c'est que le bal était maintenant ouvert à tous les collégiens. Comme par exemple le petit frère de Simon. Todd ! T'es venu avec lui ? On sort ensemble ? Jay n'avait plus aucune chance de reconquérir Brie, pas tant parce qu'elle sortait avec un adolescent de 13 ans, mais surtout parce que ce gars était bien plus cool. Todd, qu'est-ce que tu fais là ? C'est ma meuf, mec. Pour l'instant. J'appelle tout de suite les parents. Ils sont sur le parking, bouffon. Qui nous aurait emmenés ? Tu m'as largué pour ce gamin ! Désolée, on était mal assortis. Socialement ? Ouais, pour moi ! C'est pour moi qu'on était mal assortis socialement ! Arrête de me crier dessus, t'es pas mon père ! Arôme framboise. Quoi ? Au cas où tu veux savoir quel goût ont ses lèvres. Ouais ! Neil ! Quoi ? Il est cool, ce petit. Après cette chanson, c'est à toi. Ok, d'accord. Respire. Tu peux le faire. Tu as 2 minutes pour lui déclarer ton amour. J'y vais. On est fait l'un pour l'autre. J'espère arriver à lui en faire prendre conscience.